Eh bien, salut à tous les amis, c'est BlackWarfare85. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, sur Call of Duty Black Ops 2. Mais, non pas pour un gameplay, non pas pour une partie commentée. Rien de tout ça, juste pour un easter egg, celui de la map Nocturne 2025, donc. Vous allez voir un easter egg assez sympa, car il vous permet de jouer à 2-3 petits jeux arcade. Vous allez voir dans la vidéo, de toute façon. Donc, c'est très simple, pour ce easter egg, il vous suffit juste, en fait, de shooter dans toutes les têtes des mannequins de la map. Ne vous inquiétez pas si quand vous si vous voulez reproduire ceci et que des fois vous avez vraiment shooté tout le monde et ça ne marche pas, c'est des petits bugs. Moi aussi j'ai fait quoi, les 10 essais, et sur les 10 essais ça marchait que 2 fois. Donc vous voyez que c'est vraiment pas un truc, un score énorme pour nombre de fois que j'ai fait. C'est très rapide à faire, il prend quelques minutes, là ça dure 4-5 minutes je pense le truc. Et j'ai le temps de jouer en même temps dans la vidéo, donc vous voyez que c'est vraiment très simple de se faire tous les mannequins. Si vous connaissez à peu près leur position dans la map. De toute façon, il y en a un peu partout, hein. Je pense que ça tout le monde le sait. Mais bon. Donc, ouais, donc voilà, donc comme vous pouvez le voir là, je cherche vraiment de tous les mannequins à détruire. Car c'est vraiment dur, c'est pas que c'est dur à trouver les mannequins, mais quand il vous en reste qu'un, vous faites mais où il est, où il est? Et vous le trouvez pas. Et mais je pense pas que Activision ait intégré du temps pour faire le easter egg. Enfin, ça, je pense pas qu'il y ait du temps. Mais après, je peux me tromper, hein, parce que je suis pas Chuck Norris. Et je sais vraiment pas. Pour la vidéo, je sais que là, j'ai couru comme un malade pour pouvoir faire cet easter egg assez rapidement. Pas que la vidéo dure 5 minutes, 10 minutes. J'ai vraiment. Là, vous voyez, je fais. Putain, et pour ça marche pas, j'ai tout su. Donc là, je cherche, je cherche. Mais vous allez voir que je vais bientôt en trouver. Voilà, ça c'était le dernier. Hop, je reviens. Vous voyez, Activision sur le truc noir. Vous faites X pour jouer. Et vous jouez. Vous faites Start pour lancer la partie. Voilà. Donc là, vous allez voir, voilà, le monstre, l'oiseau là, j'arrive pas à passer en dessous pour continuer le jeu, c'est triste. C'est comme ça, c'est la vie. Donc là, je vais brièvement vous montrer à peu près tous les modes de jeu du jeu. Vous pouvez voir, hop, là je pose une petite bombe, je me barre, je descends, et je vais crever, je crois. Mais non, je quitte, donc j'ai la flemme de refaire. Donc là, c'est un. Ah, ça, c'est mon jeu préféré, vous allez voir. En fait, là, voilà, comme vous pouvez voir, vous devez arrêter les bombes, en fait. Et ce qui est assez dur à faire, parce que vous pouvez pas maintenir à gauche. Enfin, si, vous pouvez maintenir à gauche et à droite, mais vous pouvez pas vous faire un truc précis, par exemple. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de bombes, hein, c'est pas logique. Et à la fin, là, ça va être Chuck Norris bombe. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Donc, c'était Black Warfare 85. Pour ce petit easter egg, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à plus, allez, ciao tout le monde.